j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Est-ce que du côté religieux, du côté de Dieu, axé sur l'individu. Ah, c'est autre chose. Je crois que. Alors là, nous ne sommes plus à notre aise. Oui, là, je crois que c'est bien parti. J'ai été élevé dans un collège religieux, j'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans, j'ai été enfant de cœur, et voilà. Ah oui, je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là. Brel aussi, finalement. D'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Avec alors, non, j'ai servi la messe le temps d'un vélo. Moi, j'ai été scout. Non, je crois. J'ai été scout de France. Ah, j'étais scout, moi. Oui, mais. Pas de France, moi. Ah. J'étais scout belge. On sent bien que Brel et Brassens, indiscutablement, se connaissaient bien. Mais, et que Ferré, qui était en effet très demandeur de rencontrer les deux autres comme ça autour d'une table décontractée, était ravi d'être avec eux. Voilà. Hein, je crois qu'il dit, bien, c'est son cœur qui parle, je crois, au début, quand il dit tout simplement moi, j'ai l'impression d'être avec deux copains. Voilà. Pour lui, c'était des copains lointains. Il n'était pas forcément en grande familiarité avec eux. Mais. Il était ravi, et moi j'étais ravi aussi, mais j'ai traversé ça, et dans mon souvenir, près de 40 ans après, j'ai traversé ça sur une espèce de nuage, quoi, finalement. Hein. J'ai traversé ça dans un nuage. J'avais, de manière assez scolaire, préparé un certain nombre de questions, de thèmes, bon, les grands thèmes éternels, hein, qui inspirent les poètes et les chanteurs, voilà. Et moi, je trouve qu'ils ont été avec moi d'abord d'une gentillesse absolument étonnante et confondante. Et je trouve qu'ils ont joué le jeu au-delà de même ce que j'envisageais ou ce que j'osais imaginer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenu des adultes ? Aïe, aïe, aïe. Moi, non. Ah, moi non plus. Je réponds pour non, on est pas sûrement pas. Non, on est tous un peu demeurés. Demeurés, oui. Et heureusement. D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant. Voilà, il a raison. Écoutez, pour devenir adulte, il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. Vous me direz qu'il y en a parmi nous. Bah, ouais, j'ai fait mon service militaire. Oui. Il faut embrasser une carrière. Il faut la suivre. Il faut monter en grade. Il faut prendre. C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale. Vous voyez, un peu en dehors de la vie réelle. Parce que vous n'avez pas voulu finalement non, vous adapter au système traditionnel. On n'a pas voulu, c'était notre caractère de ne pas s'y adapter, oui. Voilà tout. Ah. C'est, on ne l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est. On est comme ça. Puis ça rejoint le poète, l'enfant poète. Quand Brel chante sans rire et que c'est comme ça et qu'il y croit, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol. Il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça. Bien sûr.